Le projet Aux Punaises donc, est né à Épinay lors d'une réunion et on a décidé de monter une comédie musicale participative autour d'une problématique grave qui est les punaises de lit. La punaise de lit, c'est un nuisible qu'on retrouve beaucoup sur nos territoires d'Île-de-France. On a pu le voir, c'est plus ou moins tabou, ouais, en fonction de, des habitants en fait, et de leur situation. J'ai proposé de manière très libre de monter une comédie musicale avec les habitants sur cette thématique. Parce que c'était traiter une problématique grave de manière ludique et décalée. Et c'est ce dans quoi nous on croit en fait, d'où l'art. Ça allait à la rencontre des habitants dans les rues, leur demander de témoigner sur leur situation et d'en faire une chanson en direct. Nous on arrive en tant que médiateur ou spécialiste petit à petit de la punaise pour pouvoir donner les clés. Et puis expliquer en termes de traitement et de prévention ce qu'on peut faire. Cette manière de décaler en proposant de faire des chansons avec les habitants sur leur quotidien qui est très lourd, et ben, ça leur permet de se dire tiens déjà je ne suis peut-être pas tout seul à vivre ça, et puis on peut en faire quelque chose de rigolo tout en parlant vraiment, mettant les pieds dans le plat. Et c'est ce qui a fonctionné en fait très bien. C'est comme des vampires en pire. C'est comme des vampires en pire. Des fois, on peut se dire que les gens n'ont pas envie de rigoler avec ça quand ils ont vécu un truc dramatique, mais des fois, au contraire, ça fait du bien. On a eu des gens qui ont dit « Ah, ça fait du bien que ce soit mis en chanson, parce que c'est dur à vivre. » Pour moi, tout devrait être comme ça. Le monde devrait être fait d'ateliers de prévention et d'échanges autour de sujets graves portés par la musique et le jeu, quoi.